En route vers Pâques. 15e jour dans le désert avec Jésus. Vendredi 13 mars 2020. Vivons dans la prière, le partage, la pénitence, le pardon et l'écoute de la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Devenir un vrai disciple du Christ. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Celle-là, l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Matthieu 21, versets 33 à 43, 45 et 46. Méditation. Commentaire du pape François. Les pauvres aussi sont en quelque sorte la pierre d'angle pour la construction de la société. Aujourd'hui, malheureusement, une économie spéculative les rend de plus en plus pauvres en les privant de l'essentiel, comme la maison et le travail. Qui vit la solidarité n'accepte pas ça et agit. La solidarité est un mot chrétien. Continuez dans cette voie, prière, pauvre et paix. Et en marchant ainsi, vous aiderez à faire grandir la compassion dans le cœur de la société. C'est le temps de la miséricorde. Nous en avons besoin, nous en avons vraiment besoin. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Celui qui ne connaît pas les caresses du Seigneur ne connaît pas la doctrine chrétienne. Celui qui ne se laisse pas caresser par le Seigneur est perdu. Que le Seigneur nous donne cette grâce d'attendre la puissance de ce Dieu qui vient nous consoler, qui vient en son pouvoir, mais son pouvoir est la tendresse, les caresses qui sont nées de son cœur si bon qui a donné sa vie pour nous. Pape François, 6 décembre 2016. Jésus sauveur, m'a suivez-vous, pour même quitter, mourir pour moi. Pas jamais quitter moi la guerre, ou t'en prie grand maître, qu'aime me souplez. J'y mets en souvent difficile. Chemin de croix et de guérison. Par ses blessures, nous sommes guéris. Isaïe 53, verset 5. Jésus nous demande de lui donner tout le mal qui nous est arrivé et que nous avons fait, et il nous donne les bons moments et grâces divines du passé, du présent et du futur. Sang de Jésus, purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur,
sanctifie mon âme. Ce sang m'a lavé, ce sang m'a sauvé, ce sang me purifie et me donne vie. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi chaque occasion où tu as condamné autrui et celle où tu as été condamné injustement, et tiens-toi ici en ma présence, tranquillement, sans te plaindre. Je te donnerai force et aide pour supporter dorénavant injustice et condamnation dans le silence et l'offrande. Donne-moi ton orgueil et je te donnerai mon humilité. Ensemble, nous nous tiendrons côte à côte pour acheter cette situation et pour le salut des âmes. Si tu devais tomber dans ta faiblesse, je serai là pour porter ce que tu ne peux pas porter, et ma main te relèvera par la confession, et nous recommencerons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Deuxième station, notre Seigneur reçoit sa croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ton innocence perdue, toutes les blessures et les plaies du passé et du présent. Donne-moi ta solitude et ta douleur. Donne-moi ta pureté perdue, tes espoirs rompus et tes rêves brisés. Donne-moi tes croix et je prendrai avec joie tes fardeaux moi-même. Merci pour toutes ces fois où tu as porté la croix avec courage. Oui, malgré ta faiblesse, tu l'as fait pour les âmes que j'aime. Je guérirai les blessures de ton passé et de ton présent. Je te rendrai ton innocence et ta pureté. Je mettrai en ton cœur une nouvelle espérance et tu renaîtras dans l'amour, la lumière, la beauté. Ton innocence ressuscite dans ma résurrection. Voici ton héritage. Tu es mon enfant, un enfant de Dieu. Sans ta bonne volonté, je suis impuissant, car j'ai besoin de ton amour pour m'aider à porter cette croix de l'innocence crucifiée en ceux qui t'entourent et aussi en toi-même. Ensemble, nous gagnerons la victoire. Je suis toujours avec toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Troisième station, notre Seigneur tombe pour la première fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons,
parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi toutes tes chutes et tes échecs, tes découragements et tes abandons. Quand tu t'es détourné de moi et que tu m'as écrasé de tes péchés, que tu as broyé ma vie divine en toi et en d'autres. Donne-moi tes retours sur toi-même, ta complaisance dans la tristesse et la mélancolie. Laisse-moi te donner en retour ma gratitude pour chaque fois que tu as réussi à te relever et à continuer ton chemin. Permets-moi de te remercier de t'être tourné vers moi humblement avec un profond regret du cœur. Je me réjouis avec toi à chaque nouveau commencement sur ton chemin vers le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Quatrième station, notre Seigneur rencontre sa mère affligée. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mères et pères, donnez-moi votre peine et votre douleur lorsque vous ne pouvez pas secourir vos enfants souffrants, lorsque le péché et le mal vous les ravissent. Donnez-moi votre impuissance lorsque vous les voyez s'éloigner de moi. Enfant, donnez-moi votre angoisse quand vous devez suivre des chemins que vos parents ne comprennent pas pleinement et que vous ne pouvez pas expliquer. Placez-vous dans le regard d'amour constant entre ma mère très pure et moi-même, et tout s'arrangera. Je vous donne ma mère pour être votre mère. Je vous montre mon père pour être votre père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Venez, suivez-moi sur ce chemin d'amour. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide notre Seigneur. Nous vous adorons au Christ. Et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tous ces refus d'aider un autre lorsqu'il était en ton pouvoir de le faire. Donne-moi toutes les occasions où tu as rendu le fardeau de quelqu'un d'autre plus lourd au lieu de l'alléger, quand tu as résisté ou pris la croix à contre-cœur. Donne-moi le fardeau de tes lâchetés. Je me souviendrai en échange de toutes les fois où tu as aidé quelqu'un d'autre, où tu as endossé joyeusement le poids de la douleur d'autrui, où tu as partagé le poids de ma croix. Je te guiderai et je t'aiderai à l'avenir, à mieux faire et à être plus généreux. Car ce que tu fais à autrui, tu me le fais à moi-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sixième station, Véronique essuie le visage de notre Seigneur. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tout ce respect humain qui t'a empêché de sortir du rang et de témoigner de mon amour devant tous, pensant d'abord à ce que d'autres pourraient penser de toi. Donne-moi ta crainte d'être jugé, tes indifférences, ton manque de compassion, tes duretés de cœur. Je te donnerai de vivre sous mon regard et non sous le regard des hommes. Je te donnerai la force dans la tendresse, les gestes d'amour dans la douceur et la discrétion. J'ai tant de personnes à consoler. Donne-moi ton regard hautain et les images qui éveillent en toi le trouble. Je te donnerai mes yeux de miséricorde et d'amour, et je purifierai ta mémoire et ton imagination. Toi et moi, ensemble, nous consolerons mes chers enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Septième station. Notre Seigneur tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi le poids de tes péchés. Il t'écrase tant. Tu as l'impression que tu n'as pas la force de te lever, et même quand tu y parviens, tu es trop faible pour ne pas retomber immédiatement. Alors, tu demeures dans la peine et la souffrance. Je suis venu te relever pour prendre ce terrible fardeau qui t'écrase au point de désespérer. Donne-moi simplement tes péchés, peu importe leur horreur. Je ne viens pas te condamner, mais te consoler et t'aimer. Viens à moi dans la confession. Ne t'inquiète pas si tu ne sais pas par où commencer. Viens au prêtre et explique tes difficultés et demande-lui de t'aider. Ainsi, viens à moi souvent. Je t'attends. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Huitième station. Notre Seigneur console les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi toutes les fois où tu as négligé les prières à ton intention et à l'intention de ta famille. Quand tu as cessé de prier te disant « Personne n'écoute ni n'entend mes prières, Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu ne se soucie ni de moi ni de ma famille. » Donne-moi toutes les prières auxquelles je n'ai pas répondu à ta manière
et toutes les prières exaucées auxquelles j'ai répondu à ma manière, mais que tu as rejetées. Toutes ces prières te mènent à la sainteté. Parfois, ce don se présentera sous l'aspect de la souffrance, d'une perte ou d'une peine pour que ton âme grandisse en courage, en amour, en abnégation. Parfois, il sera enveloppé de joie, de paix et de bonheur. Il n'y a aucune prière de mes enfants que je n'exauce parce que je vous aime. Toute la création te dit, tous les jours, je t'aime. Souviens-toi de moi, car je ne t'oublie jamais, même un seul instant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 9e station. Notre Seigneur tombe une troisième fois. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi toutes les fois où tu ne peux plus avancer, car je comprends bien ce que tu ressens. Je gisais ici par amour pour toi. Donne-moi ta détresse et crois au pouvoir de mon nom. Fais appel à mon nom, Jésus. Je t'aime tant et je te connais par ton nom. Donne-moi toutes tes paroles inutiles, celles qui ont blessé les autres et qui t'ont blessé toi-même. Je mettrai sur ta bouche le silence de l'amour et les paroles de bénédictions et de louanges. Regarde ma mère, dont le cœur si tendre me donna le courage de relever et de continuer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 10e station. Notre Seigneur est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi tous les biens que je t'ai donnés au départ, mais dont tu as tellement de mal à te détacher. Donne-moi tes biens les plus précieux, et je te donnerai la vraie liberté de cœur et d'esprit. Donne-moi toutes tes richesses matérielles, intellectuelles et spirituelles. Offre-moi tout ce que je t'ai donné, et en retour, je t'inonderai avec encore plus de grâce. Pourquoi as-tu peur, mon enfant? Je suis Dieu et bien capable de prendre soin de toi. Donne-moi ton manque de générosité, et je te donnerai toute ma générosité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 11e station. Notre Seigneur est cloué à la croix.
Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Donne-moi tous tes mauvais gestes, tes mauvaises habitudes et tes déviations. Donne-moi tout ce que tu as touché qui a sali ton corps, ton esprit et ton âme. Je purifierai ton sens du toucher et j'ajusterai tes gestes et tes attitudes. Je t'établirai dans le réel des choses, bonnes et belles, que j'ai créées pour toi. Donne-moi toutes les fois où tu t'es plaint, tandis que je te proposais de demeurer avec moi sur la croix par amour des autres. Donne-moi ta crainte pour toi et ta crainte pour les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Prenons un moment de silence et si possible, on peut se mettre à genoux et contempler notre Sauveur suspendu au bois de la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ta crainte de la souffrance et je t'accompagnerai dans ta souffrance, te donnant la joie d'unir ensemble nos cœurs transpercés avec ma mère pour le salut du monde. Donne-moi ta révolte et ta crainte de la mort pour toi et pour ceux que tu aimes, car sur la croix, j'ai vaincu la haine et la mort. Donne-moi ton cri d'angoisse, et je te donnerai le cri de la victoire. Que ta volonté soit faite. Tu n'as qu'à te souvenir de moi, et la vie en ma présence t'appartiendra. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 13e station. Jésus repose dans les bras de sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon enfant, donne-moi ton innocence crucifiée. Donne-moi tous tes manques de tendresse et de chaleur humaine, du passé et du présent. Repose-toi et abandonne-toi dans les bras de l'amour maternel que j'ai pour toi. Fais appel à ta mère céleste. Ses bras reçoivent ton esprit, ton corps et ton âme blessée. Tu es autant son enfant que moi-même. Ses larmes intercèdent pour toi. Aime-la. Combien elle t'aime. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 14e station.
Notre Seigneur est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Repose-toi ici dans le silence. Mon enfant, donne-moi tout ce qui est en toi, à goût de solitude et de mort. Je te donnerai la confiance, la foi, l'amour de ma volonté, le goût de la vie, le désir de mon amour et de l'amour fraternel. Tu n'es jamais seul, pas même un seul instant. Donne-moi ton vide et ton néant. Je te donne ma plénitude. Donne-moi tes larmes et ton chagrin. Je te donne ma paix, mon espérance et ma résurrection glorieuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie mon âme. Prière de guérison. Ô innocence divine, triomphe de mon innocence crucifiée, rends à mon corps, mon esprit et mon âme, santé et guérison, réconfort et consolation. Dépose en moi l'esprit de louange, d'adoration et d'action de grâce. Accorde-moi et renouvelle en moi les dons du Saint-Esprit. Guide-moi vers une vie de sainteté et un service rempli de joie. Je t'en prie, au nom de Jésus, Sauveur de toute l'humanité, et par l'intercession de la Sainte Vierge, des anges et des saints, je te le demande en l'honneur des cœurs eucharistiques de Jésus et de Marie, à la louange et en action de grâce, rendu à la très sainte Trinité. Amen. Prière à l'Esprit Saint. L'esprit grand maître là, l'esprit délivrance là, n'a brûlé où. T'en prie, descend sous nous, vine souffler sous nous. N'a paix du souffle, vine souffler la vie par là dans nous. Nous gain que serré, t'en prie, vine ba nous que content. N'a vive à que sauter, vine ba nous que poser. Nous n'en fait noir, vine clairer chemin nous.
Nous pas qu'on la prière. Vin la prière nan nou. Vin souffler souffrain meyan en dedans que nou. Pour nous arriver vivre nan remet tout bon. Tant prie. Ba nous force à courage pour nous cap camper ferme nan moment difficile yo. Vin retirer tout doute qui nan que nou. Ba nou yon la foi solide. Ba nou intelligence pour nous capable comprendre et vivre parole bon Dieu à pi bien chaque jour. Dans souffrance nous, dans calamité nous, tant prie, vienne prendre place ou dans la vie nous. Bagay yo mêlé pour nous, bagay yo compliqué en pile. C'est sous puissance ou nous compter. Vin prend contrôle tout bagay. N'a pas mande autant prie. Vin agir nan place nous. Ba nous direction. Elle ouvre les oreilles nous pour nous cap tande voix grand maître là. Cap dit nous. Pape, moi là. Esprit Saint, souffre grand maître là. Ou même qui se sous que content à que poser. Tant prie, vin souffler sous nous, dans désert nous y a. Souffler sous nous, dans moment ça. Souffler sous nous, jodia, et pour tout temps. Amen. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous, sanctifiez-nous. Esprit Saint de lumière, éclairez-nous, fortifiez-nous. Sanctifiez-nous. La vie c'est un désert. Faut que nous traversions. Gain souffrance dans le désert. Faut nous chercher à l'hiver. Chrétien, levez campés. Bon Dieu, la vie a pas nous. Du 15e jour. Seigneur, aide-nous à entrer dans la pureté du jeûne, qui est le salut des âmes, à te servir de la crainte, à verser sur nos têtes l'huile de ta bonté et à laver nos visages à l'eau de la chasteté. Nous qui jeûnons dans le corps, apprends-nous à jeûner aussi dans l'esprit, à délier tous les liens d'injustice, à briser les violences. Permets que nous donnions du pain à ceux qui ont faim, que nous ouvrions nos maisons aux pauvres qui n'ont pas de toit, afin de recevoir du Christ le grand amour. Amen. Psaume 54-55. Bon Dieu, pensez oreilles ou bokotem. Koutem non le map la prié. Piga ou vire doban moué, le map rele nan pie ou. Prends ka moué. Koutem, répond moué non. Kem serré ma pleine. Moué bouleversé le m'tan de l'ennemi mio a palé. Le m'tan de méchant yo a palé bien fort. Yo fait malheur tomber sous moi.
Yo mauvais sou mwen, y'a persécuté. Mwen senti kèm kase. Saisissement pram, le mwen mwen fin mouri. Tout comme ap tremblé tellement mwen saisi. Mwen di kon sa. Pitom te gen zèl tan kou yon tout rèl. Mwen ta volé ale, mwen ta jwenn kote pou mpran repo. Mwen ta kouri pati ale byen loin. Mwen ta val rete pou kont mwen nan dezèya. Mwen ta presse jwenn yon kote pou mkache, pou gwo van, gwo la pliya pa fèm anyen. Men, mwen rele seigne ya, bon Dieu mwen, la délivre mwen. Vive papa, ak pitit la, ak l'Esprit Saint, depuis nan commencement, ni jodi ya, ni tous les jours, et pour tout en guettant. Amen. Résolution pour ce 15e jour de la quarantaine. Jeûner et aller à l'église. Que nos jeûnes, Seigneur, transforme et purifie nos vies. Prions. Seigneur, aide-moi à être plus serviable, à toujours être volontaire pour rendre service, à ne plus me chercher des excuses pour remettre à plus tard et pour ne rien faire. Aide-moi à être plus généreuse, à partager avec ceux qui n'en ont pas, et à rompre avec mon égoïsme. Seigneur, aide-moi à prier davantage, avec toujours plus de foi et d'amour. Aide-moi à faire mon jeûne, à résister à toutes les tentations, à être plus forte et à me concentrer sur l'essentiel. Seigneur, aide-moi à me pardonner à moi-même, et à pardonner à ceux qui m'ont blessé, que je sois artisan de paix dans ce temps de carême et tous les jours de ma vie. Amen. Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Sang précieux de Jésus, versé sur nous en puissance et en abondance. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Sang précieux de Jésus, versé sur nous en puissance et en abondance. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espère pas et qui ne vous aime pas. Sang précieux de Jésus, versé sur nous en puissance et en abondance. Oh, que le Seigneur Tout-Puissant nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse l'équipe de Soleil La Foi, qu'il bénisse les auditeurs de Radio-Télé Soleil La Foi et qu'il bénisse chacun de nous qui traversons ensemble ce désert cette année, qu'il nous garde et nous protège. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.